Alors, bonjour à tous, c'est Senteur. Alors, une petite vidéo rapide là, tranquillement, après manger. Donc là, je me pose un petit peu. Je me fume dans cette pipe un tabac anglais, un anglais, Captain Earl Tenrushen. J'ai fait une vidéo de dégustation. Je posterai d'ici quelques temps. Et là, je suis en train de culotter cette pipe. Alors, cette pipe, c'est une pipe Eva que j'ai trouvée sur eBay au prix de moins de 10 euros aux enchères. J'étais le seul enchérisseur, pardon. Et c'est une pipe qui est neuve. Alors, c'est une ancienne pipe, hein, mais une pipe neuve. Alors, j'en cherchais une justement un petit peu cintrée, courbée pour tous mes tabacs anglais. Et là, j'en ai trouvé une qui va très bien, qui est très bien, très jolie, super légère. J'ai pesé, je crois qu'elle fait 30 grammes. Donc, en fait, on la sent même pas en bouche. En plus, de ce côté cintré qui vient justement alléger encore la sensation de poids. Est vraiment très 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 agréable. Donc une pipe qui est neuve en fait, hein. Neuve pour que c'est même pas une esthète, c'est une pipe neuve. Ouais, c'est ça. Pipe Eva, très jolie. Un foyer qui est quand même assez conséquent. Bon là j'ai deux fumages dessus, j'ai reçu il y a une semaine à peu près. Et voilà. Alors j'ai aussi commander une pipe en écume que je devrais recevoir alors soit alors incessamment sous peu hein. Peut-être samedi demain ou la semaine prochaine donc vidéo du 1er novembre 2019 c'est une vidéo assez rapide donc là qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc cet après-midi, vu que le temps ici est vraiment pourri, peut-être bricoler un petit peu dans mon atelier. J'ai trouvé en fait une étagère, une petite étagère, je vais vous montrer ça. Alors, une petite étagère, ça c'est une étagère à épices. Que j'ai retrouvé en rangeant mon grenier. Et ce que je vais faire en fait, alors c'est ce que je fais, hein. Je mets tous mes petits maïs. Voilà, je présente comme ça à peu près vite, vite fait. Hein. Voilà, bon, attends tout pas, voilà, je peux les mettre comme ça. Le problème c'est qu'en dessous, voilà, ici, ça passe pas. Alors ce que j'ai envie de faire, je vais alors soit percer ici pour faire passer les becs des pipes, soit enlever cette partie-là et la monter un petit peu plus haute quoi. Ou bien prendre le modèle là-dessus et refaire une autre un peu plus grande. Je sais pas. Bon, on va voir ça. Donc l'activité peut-être. De l'après-midi. Qu'est-ce que je veux dire autre chose. Alors, ce soir, il y aura, enfin ce soir, peut-être pas ce soir, dans le week-end, je posterai une nouvelle vidéo de dégustation. Alors, une vidéo de dégustation qui sera un petit peu, alors pas dans le nouveau, enfin, nouveau format, parce que je vais rester sur le même style, hein, c'est pas mal, je trouve. Enfin, voilà. Par contre, plus l'environnement en fait. Donc, ce sera ici. Je vous montre pas ce qu'il y a là. Donc, je serai là, vous verrez. Vous verrez. Et ce sera ambiance un petit peu plus chaleureuse, ambiance plus, je pense, ambiance dégustation de pipe, quoi. Donc, on sera un petit peu là-dedans. Donc, ce sera le nouveau format, nouvel environnement. Donc je pense que si ça plaît, ben,
Je ferai toutes mes dégustations, enfin toutes, une majorité de mes dégustations dans cet environnement. Alors il me reste encore quelques vidéos avec les montages, le fond vert derrière, qui je sais qu'ils sont pas très bonne qualité, ça je m'en excuse. Mais en fait, je suis pas. Alors j'ai arrêté ce style de montage parce que d'une part, je suis pas équipé en matériel pour le faire. C'est pas concluant en fait, hein. Il me faudrait des projecteurs, des micros, des trucs. J'ai pas envie d'investir là-dedans parce que après il faut beaucoup de temps pour le montage. Et j'ai pas forcément le temps de le faire non plus. Donc voilà, donc ça je vais abandonner ce côté montage. Il me reste une, je crois qu'il me reste une vidéo encore comme ça à poster. Donc qualité équivalente à celle que vous avez pu voir sur les dernières mises en ligne là, hein. Donc voilà, qualité médiocre, hein. Et il me restera une ou deux autres dans un autre, enfin, que j'ai enregistré aussi, donc il me restera à mettre en ligne, que je mettrai après, enfin voilà, pas forcément tout de suite, on verra. Donc là, alors, on va passer sur une nouvelle voilà, nouvelle ambiance, ça va être sympa, je pense, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et je suis un petit peu plus à l'aise pour voilà. Je suis au chaud en fin d'hiver donc. C'est tout bon. Voilà, donc je vais finir ma pipe là. Je vais peut-être me mettre à bricoler. Ma petite étagère. Et ce que je voulais. Je vais peut-être tester un truc. Comme j'aime bien fumer une petite pipe en bricolant. Je vais peut-être tester un petit mélange. Il me reste du Full Virginia là, de Samuel Gewitt que j'ai un peu de mal à finir. Que je vais mélanger avec un petit peu de l'Attaquia. Voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut être pas mal. On va voir, on va faire ça. Voilà, on va tester ça cet après-midi, tranquillement. À l'abri de la pluie. Voilà, donc là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Donc on va se retrouver dans le week-end. Je ne vous dis pas quand. Peut-être ce soir, demain, dimanche peut-être. Avec cette nouvelle vidéo pour un tabac. Donc je ne vous dis pas lequel, vous verrez. Et c'est tout. Voilà, donc bonne journée à vous. Et à ce week-end. Au revoir.